pese ibare soro baga bilen ibare soro baga kapese kerfa la personne kamara ibare soro baga ina re tu yar gi la guinée kuy tu yar territoire goro ri amu se se soto metier amu se se soto walira Et il y a un CNRD qui a servi, il y a une société qui a été servie, il y a une société qui a été servie. A la mourie, a la mourie. 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 Nga la Guinée nyama baluiso inira. Mfama ngunsa de. Ji teme di nahamma. Nahamma rabafe kolon. Nahamma wali kolon. Nahamma sutufe a surufe kolon. Nahamu fendani. Imu fendani masin nahamme nahamu fe kolon. Nahamfine na la tangara. Na la tanga. Temunde ha kapese nyengenera. Amara ta kapese ga baredina nera. Ifama na dandi. Ina buna bu fana fama ne. Adama di kobi kolom mukono. Fe kolom tare kolom mukono. Nala tanga birmu kombima talimu sama birimbe igine talita katalisato deda yara tilimenara igine talisato deda prodisanara igine talisato deda katatonara anala tanga ha klas nanaki ni klas mamene Nere mi so ni kolonne na ma kolon. Ina toto e kakame ama kuyarira. Amara. Inu lagine artisi tongo. Artisi nere respecte ri. Binye na artisi nere ma. Emu mirikiren tongo, mera mirifrin tongo, afali mi kakame tongo. Mena toto. A ekarte rira. Isa vive fe, idanna. Avansa na danna. Nara keleri iguriki nama. Nara keleri ira education nama. Igurdera keten. Imodera keten. Hemu fate imasaradi. Iati iborera. Enu naganso ifangana so. Bari mambara kolon. Etandara di medinera. Kono mutan nagan falama ibe. Inare, allez vous faire colon, et nous corotakui, capital dina na mutana. Nous sommes fiers de ça. La Syrie, la mafie ma birimma. A la mara bama birimba, na rana barambe, enfin de la Syrie, la mamfamber kalum takui. Avamper kalum takui. A la mara bama birimbe. Soso fori nous. Et nous sommes sota. Et tongomane. Ikhani lagara hali wantan sori amare dugutongo gi fegani lagara ise dugutongo amare wantan so alko ira fendani wasebe ira dande masebe ira folone masebe na la tangres ke na bir na bane ibe itwenere te mamura fori daiki kapese gafira ha kapese gende na ngolinga eska ngolinga fanyira eske gende na ngolingi KPC se na ramfiri ma. Jise bara ira liya fanyira. Merci beaucoup Victoire Forcé. Maximum de partage. Mwa ou en fait ou yati. Ina ren fera ma refi nan touma. In terra ma rete nan touma. In yera ma rafi ni ma Dubai nana. Yera ni ma nama. A ou en politologram ma ra. Ngala ina na goro ma. La Guinée yama bil nga wasama. Giteme di
ma quel de colo, ama siga de colo, ama rapa fe colo, ama runa fe aroma, ama aroma fe colo. Ngatare baba tare, fori tare, miri geli. Gino madera te de mura forida, a kapese rafi ranute ama, ama kapese bar sa sarifi, kapese sambe bete sarifi, bafe yitana. Kapese sambe bete sarifi, bafe yitana. Wanda mirfe na ango mala guinee. KPC, ina ga sosenera, ibembaril fala, ngambembaril fala, wana matoma ya sosenandira. Sosema abore sosie kanama. Sosemu feyangane ma abore sosiera. KPC, Zibril Azi. Ena Zibril Azi, ina ngafe kuna kanafetu. Era tongo, parce que il est contre un système qu'on appelle la dictature. Du CNRD. Emer Zibri Azi en complicité avec le CNRD. Emer Zibri Azi a fait un canato. Aman namu falama KPC et son yukobi barebi donibe. Hamirma falebe fa oule falebe. Nera si fena mi comme fere. Mara si nara ibe KPC. Titi kamara. Sosedi nara comme ita. Ibira nara gine fora bera gine de tourne. KPC ma même KPC biragina di meri fo e même KPC biragina sande kari man sa amari e fukora pe gemeran do mudema muma falama gemeran do mudema muma falama af a botter ba mi la mabirina nala tanga idera te gina di na kanana ki sio moda kamara bir mu kombi ma KPC, il y a un peu de temps, il y a un KPC, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un message fort dans le passé fait. La Guinée, il y a une vidéo, il y a un KPC. Il y a une vidéo, il y a un peu de temps. Il y a un peu de Mais l'on de kouye ba ma KPC ma la Guinée. L'on de kouye ba ma KPC ma la Guinée. KPC rafé rumbarakana. Toto ina kafoufe. CNRD ma. Ira mire fanyi sourou. Ira intellectuel sourou. Ira mire rafé rumbarakana. Isabura. Etanambe. Ilele yando. Mais KPC. L'oré birim kouye ba ki kere mara. L'oré birim ou na mangatora. L'onde, idere mange reboura. Samba 15 tazan. Inyi fany nanna. Kouyende ba ma. I mange rebouma. I kola nanna. L'onde nyermane wonu sankiri. L'onde kouye ba ma esanyi geli nan nyerman lo ke goro. Oui. Et femme à Colonde, l'oreille kouyeba qui ouya à la nira, KPC, ce que tu es en train de faire à la jeunesse guinéenne aujourd'hui, tu es en train de torturer, tu es en train de jouer sur la crédibilité de la jeunesse guinéenne à cause des miettes, et même en KPC, KPC, n'en se fang woma. Ou tout belle belle magalira 500 000 francs. Ça sert à quoi? Ambang sa reyat lima oube. Parce que appartement meublé ton fait qu'on a créé 1 500 000, 2 millions. KPC na fi man artiste mundu malagine. Amuna. Ou belle belle magalira tout. Ou a soutenir fait kobi rouma. Ou a bamba fait kobi rouma. Parce que 200 000 soma ouira. A 500 000 soma ouira. La vie ne se limite pas. Là-bas. La vie ne se résume pas à cela. Il faut que vous sachiez qu'APC va mal finir. Retenez ça. C'est une leçon de vie. Je vous dis en toute sincérité qu'APC va mal finir. Aujourd'hui, il est en train de faire du mal aux Guinéens. Il se croit suprême. Il se croit supérieur à tout le monde. Mais un jour viendra, qu'APC va faire un compte au peuple de Guinée. Il va faire un compte au peuple de Guinée.
Ye teme di prodi sanya hi na ki. Di kame ta dogo ta re. Di fin sir wal san kui bori. Di no ma kelide. Aga demaga. Sose ginera. Ina ma sose lambasi. Nagan tiri. Kwa so kuye bama. A berbore malima. A yaye bama. A rabori rumagere soma. A mou mirio sotori. Kombidari la nan soto kombidari la. Ibanyi soke. Ibanyi soke. Nalatanga. Ka pese se nan firima. A bada enye li. Se nan di na servife ka pese nan natura zibri azi rafe ou nakana. Mais vous, Zibril Azi, Rafer ou Nakanamagou, on ne peut jamais détruire l'avenir de Zibril Azi. Mais ce qui reste clair, Zibril Azi sortira victorieux dans ce procès-là. Il sortira victorieux dans ce procès-là. Mais c'est la fin de la carrière de KPC, je vous assure en âme et conscience. Depuis la vie sur cette terre, Dieu a dit dans les grands livres et dans le Coran, ainsi que dans la Bible, quand une personne arrive au pouvoir, pour ne pas que tu détruises ton pouvoir, faut jamais couler le sang. Faut jamais couler le sang des jeunes, des mineurs, des femmes, mais les bavures que nous sommes en train de compter sur le territoire guinéen aujourd'hui, c'est le sang des mineurs, le sang de nos mamans, le sang de nos frères, le sang de nos papas. Est-ce normal? Il faut qu'on se dise la vérité. KPC se contente de ça aujourd'hui. L'affaire du 28 septembre, KPC est impliqué dedans. Oui, tous les sales boulots qui se passent dans notre pays, KPC est impliqué dedans. Quand on parle du massacre, on ne peut pas commencer et finir sans citer le nom de KPC dans cette affaire. Hein? C'est une fierté pour lui, c'est un honneur pour lui, c'est une confiance pour lui. Ah, lui, il est un complice avec les bandits. Mais KPC, le bandit et le receleur, c'est ça que vous êtes en train de pratiquer aujourd'hui. Quand le bandit écope une peine de 50 ans, le receleur va écoper une peine de 100 ans, n'est-ce pas? Maintenant, je te dis très bien, KPC, tout finira par finir. Là où les dadis se trouvent aujourd'hui, les kégoros se trouvent aujourd'hui, ils n'ont jamais pensé s'ils pouvaient se retrouver là-bas. Les hommes forts d'une époque en Guinée, Adama Camara, Simanu Santé, Allah Afima, ils n'ont jamais pensé s'ils pouvaient se retrouver là-bas un jour. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont derrière les barreaux. Ils sont où? Ils sont derrière le barreau. Beaucoup d'entre eux vont finir leur vie là-bas, derrière le barreau. Parce que les exactions qu'ils ont commises à travers le pays, qui est notre cher pays, la Guinée, est grave, est exorbitante. Donc, Dieu ne dort jamais. Mamadi Doumbouya aujourd'hui, il en veut tout le monde. Il fait la bavure, policière, gendarme, militaire, ainsi de suite. Mais Dieu ne dort pas. Il est en train de jouer son temps fort, son moment fort. Mais il ne sait pas que Dieu a tracé le chemin par lequel il peut passer pour l'attraper. On a vu les hommes forts. Les hommes forts. Samuel Doe était là. Semedo était au Libéria. Il a détruit l'armée libérienne. On a vu Blaise
comparé. On a vu Nino, comment ils ont fini. Ils ont fini. Aujourd'hui, la vie des Guinéens est compromise. On ne sait pas à qui se confier. Nos mines sont pillées. Le vivre ensemble est fragilisé à cause des intérêts personnels. Oui, un État est devenu mafieux. Mamadi Doumbouya, je vous mets en garde déjà. KPC est un homme manipulé. KPC est guidé par le CNRD pour sauver son intérêt. Mais KPC, avant tout, c'est la dignité qui a osé aujourd'hui qu'on arrête Jibril Azi à ton nom. On fait du mal à Jibril Azi à ton nom, Fatou Diaby. Mais c'est que sache bien que demain, on te fera du mal au nom d'une autre personne. KPC, la maison centrale là, est faite pour vous. Tu passeras des années là-bas. Tu passeras des années là-bas. Nous, nous sommes blogueurs. Nous sortirons ici pour te défendre pour une cause. KPC, mais tu auras tort ce jour-là. Et tu n'auras personne à te défendre. Parce que la main sale qui gouverne là, cette main sale sera coupée. Tout ce que vous êtes en train d'avaler comme de la saleté, c'est comme une mer, un océan. Tout sera vomi devant le peuple de Guinée. C'est moi qui ai dit le politologue de 124, l'homme au service de sa nation, l'infatigable communicant de tous les temps. Il a retenu. C'est moi qui ai dit. Mouna Oulebe, KPC, Yisebe, Essa. Il a fait Rumbaraka dans la Guinée, Koui. Ibar Sokata, Ibar Sokobara. Ibarra Isokobara. Mamadi Doumbouya, Nancy Fer est plein de portée. Jibril Azi contre Mamadi Doumbouya Khilira. KPC, pourquoi tu n'as pas porté plainte contre Charles White? Hein? Parce que il y a un Jibril Azi Tamma. Affaire tout ma bête. Qu'on ait eu ma considération dans ma. Il y a un homme qui a été un jour viendra, toute la Guinée parlera de Jibril Azi. Youssouf Sano, je remercie ma mère. Merci beaucoup. Maximum de partage, s'il vous plaît. Partagez. Pour que ça tombe dans les oreilles de KPC. C'est une bonne leçon pour lui. Un jour viendra Fatou Diaby, la sœur, maximum de partage. Ce qu'on a fait à Jibril Azi, on a empoisonné, on a envoûté l'argent donné à un artiste et allé donner à Jibril Azi au Sénégal. Il fait nam na ba Jibril Azira. Il fascine na bagara. Wotobara toto. Non di birna falogenara. Fe birna na bana. Fe birna raba logenara. Miri ber logenana ega logenana. Igilisa logenana. Jibril Azi. Azi le king. Il cobrira fossi. Un tonga sur la Guinée artiste Ndeyira. Moi, Khalifa Alfe. C'est Nek Karim Anissa. Il cobrit tongo. Evan Zibri Aziroma. Il s'assoignira.
Et Nathan, comme il donne tant de mara, tu vas tomber dans le piège. Il va faire un nakanamane. Et dans la base, il brille Azira, comme il dit ça, il va le Nigerien. Un certain ministre guinéen est dans la barre. Il a fait mal sa mobile reto. Et dans la barre, il n'y a pas de tirilira. Ne bringili nan belreto. Fol fentan politolo 224 ma. Ngelira. Gra ona 6 ngelira. Laila ngelira. Ansu Damaro. America. Masanta Benito ngelira. So se l'ambassi gai memra tulia ngelira. À passer, nous nous sommes en train de dénoncer cette dictature de Mamadi Doumbouya, que nous sommes en train de faire du mal à cette transition. Donc, Yanfantia Bourihangi Saranara, Fekobi Bourihangi Saranara. En colonel Nagalima Barakana, la Guinée Yama, n'a fallu au bateau. Le gouvernement de la transition est basé au mérite forcifié. Et bien sûr, d'abord, il a Zibri Azimu arrêté. N'a KPC Tambaraga Étoile Mati, CNRD Mato. KPC a vendu son étoile à Mamadi Doumbouya. Il a vendu sa crédibilité à Mamadi Doumbouya. Il a vendu sa dignité à Mamadi Doumbouya. Un jour viendra, la seule demeure de KPC sera la maison centrale. Il va passer le reste de sa vie derrière les barreaux. C'est moi qui ai dit le politologue 224. KPC, tu n'es pas plus puissant que le pharaon. Tu n'es pas plus puissant que Charlemagne, le roi d'Espagne. Tu n'es pas plus puissant que le roi Makoko. Oui. Tu n'es pas plus puissant que Bokassa de Lubangi Shari. C'est moi qui ai dit le politologue de 124. Nous ne sommes pas en histoire. C'est pour juste relater des faits. KPC, Moussa Dadis, lorsqu'ils ont commis le massacre du 28 septembre, c'est toi qui a été utilisé pour ramasser le corps des victimes du 28 septembre afin de les amener dans une fosse septique, dans une fosse commune. Oui, les Guinéens sont témoins de ça. Les Guinéens y a ma birnassé de l'anafema. Oui, il faut que je te dise la vérité. Et ce gouvernement de la transition, Mamadi et ses acolytes sont arrivés au pouvoir. Ils n'ont jamais eu quelqu'un à qui associer, à qui coopérer, sauf le même KPC qui a l'habitude de faire du mal aux Guinéens. KPC n'a jamais fait du bien aux Guinéens. Tout ce qu'il fait là, c'est utiliser les Guinéens, les artistes guinéens, parce que c'est des mangas. Comme ce que Mamis, si c'est Mimish Diabaté en train de faire à la fille Ngambalula à Boké. Mimish Diabaté, je vais te dire la franche vérité. Si tu as eu le contrat avec Techno, il faut signer aussi le contrat avec la petite Ngambalu. Cesse de l'utiliser parce qu'elle est villageoise. Elle ne connaît pas ce qu'elle est en train de faire. Toi, tu as signé le contrat avec Techno. Toi, tu la pousses de faire la publicité, la promo de Techno parce que tout simplement, tu l'as acheté un téléphone Techno pour elle.
à une somme raisonnable, à 1 million ou bien 1 500 000 comme ça. Ça, c'est le prix des technos. Tu la pousses aujourd'hui à faire la publicité, la promo à ton nom. Ça, c'est dangereux, ça. Ça, c'est dangereux, ça, Mimi Siabaté. Je t'attaque dans ce live-là, dans ce direct-là. Il a fait dans la baffe Ngambalu Ranaki. Elle ne peut jamais se rendre l'inconvénient de ça, les conséquences de ça aujourd'hui. Sauf si elle devient de plus en plus célèbre. Elle se rendra compte. Elle a vendu son étoile à bas prix. Mimi Siabaté, aie pitié de la pauvre fille. Il n'a pas fait me dire que je suis un homme qui est un homme qui est un homme qui est. Cette fille cherche à grandir. Elle cherche à devenir célèbre. Elle a kiffé à qui elle a collé. Maintenant, elle a poussé à la promo de la mousse. Ça, c'est du péché. Attends, fini. Promoteuse là, et en fin de consommatrice là. C'est pas normal. C'est ce qu'un KPC est en train de pratiquer contre les artistes guinéens. KPC, lui, utilise les artistes guinéens. Quand KPC fait quelque chose, ah, tous les artistes sortent pour blâmer, acclamer, dire ah, KPC, t'en ambé, ndenabé. Sosé bana mundara. Sosé mundungadi na KPC ra. So KPC ra a bon sa a babagil fala. Amara ra bembagil fala. A kolomba ya sosé nara. KPC a lou. A lou. Tonge jire kwali nyi bebe heminga. Kunyira te imama hungon kotara temane. KPC, one siga tribunal, justice, kiti na KPC nambe. One siga saude karte woyi, kiti na KPC nambe. One siga dede, kiti na KPC nambe. Hey, la gireke, woba wajife se fokora, se yomane miriamu yomma. Se yomane miriamu yomma, la gireka mu mirikima. Ani ki esploate mane. La gireka mu mirikima. Ani qui exploite mané. Et qui recèle dans la fin de sa refi. Ani qui ma caméra tire là. Et un gamin a équivé. Il est en train d'utiliser ton image pour faire sa publicité. Hein? Anne beret en la crédibilité là. Anne beret étoile là. Anne beret simara. Anne beret la siriara. KPC. Tout ce que tu fais devant les Guinéens sont bons. Il fait dans un travail fait. A bien une femme. Il prend un titi camarade à Guinée formé. Oui, tu sortais avec la femme de titi camarade. Oui, c'est bon. Il s'est plaint au peuple de Guinée. Oui, c'est bon. Tu as sciemment fait avec les gens là. Ce qu'on est en train de dire dans le dossier de Charles White. Charles White n'a pas menti, mais on a sacrifié qui? C'est Zibril Azi qui a été sacrifié. C'est pour cela que j'aime beaucoup les directs et le débat, les déclarations de milliardaire 224 du côté de l'Australie. Un vaillant communicant, il dit toujours la vérité. Il avait dit, dans cette affaire-là, Zibril Azi sera sacrifié. Zibril Azi sera sacrifié. Il a parfaitement raison. Si il y avait de querelles, de guéguerres entre KPC et Charles White, pourquoi KPC n'a pas porté plainte contre Charles White? Pourquoi Charles White n'a pas porté plainte contre KPC pour aller chercher les coupables ailleurs. Hein? Pour aller chercher les coupables ailleurs. Pourtant, Zibril Azi communique avec Charles White.
Charles White a sacrifié Jibril Azim. Parce que à chaque instant, à chaque jour, ça ne peut pas faire tout une semaine ou bien deux semaines sans que KPC et Charles White ne communiquent. Ils sont tous partisans, militants, sympathisants du CNRD. C'est des acolytes du CNRD. Mamadou Alpha Diallo, maximum de partage. Il faut qu'on se dise la vérité. Cette fille-là, c'est une fillette même parce qu'elle manque d'éducation dans la Tangala. C'est pourquoi son mari n'a aucune considération pour elle. Son mari l'a écartée. Parce que tout simplement, cette femme-là ne doit pas être respectée. Et elle n'a pas de respect. C'est pourquoi elle est écartée de son mari. Si on prend les artistes guinéens, on ne peut pas citer un ou deux artistes sans citer son artiste, les artistes, c'est-à-dire les artistes les plus respectueux. Mais Nala Tangala, elle manque d'éducation de base. Parce que si tu vois qu'elle n'est pas éduquée là, c'est la faute à ses parents. Soit sa maman, soit son papa, ou bien ses arrière-parents. Oui, parce que quand tu vois qu'un enfant est mal éduqué, qu'elle a des comportements bizarres, comme cette fillette-là, moi je ne peux même pas l'appeler femme. C'est une fillette devant moi. Elle s'attaque à tout le monde. Elle insulte tout le monde. Mais tu veux qu'on commence à insulter, à injurier la maman de KPC, c'est le début du commencement. C'est le début du commencement. Cette femme que tu as insultée comme ça, la société Lambassi, si tu ne l'appelles pas pour lui présenter tes excuses, pour la demander pardon, tu vas périr. Tu seras réduit en cendres. C'est moi qui ai dit le politologue de 124. Il arrête les guerres. Moule Falamebe. Iberfe Guinadi Nananaki. Souna Guinana Nanara. Quand même, on a tout l'associé à l'ambassade. A mon mérite combiment. A mon mérite guérement. A mon mérite romain. A nara politique nan comma. A nous mini. A non dit Falagine Yamabe. Et un mousmirio tori. Et non, non, finime, ouare basira. Et non, non, finime, ouare basira. Kono, et un mara. Ingani babanara. Passe fe colon tare, ngatare babatare. Imikel de colemis gade colon. Yagi tara kabalea doko, yakui grahi. Allo gogra derri. Une femme en attendant, KPC va mal finir. C'est le mot-clé que je peux dire à tout le peuple de Guinée. KPC, ce qu'il est en train de faire au Guinée aujourd'hui, il pense qu'il est le plus béni. Oui, il pense qu'il est le plus généreux. Oui, il pense qu'il est d'accord avec Dieu. Mais un jour viendra, KPC va pleurer devant le peuple de Guinée. Et il va appeler le peuple de Guinée de venir au secours. Mais aucun peuple ne viendra ce jour-là. Personne n'aura pitié de lui. Parce que tout ce qu'il est en train de faire là, il est conscient de ça. KPC est conscient qu'il est en train de faire du mal aux Guinéens. KPC n'a aidé personne. KPC n'a aidé personne. Si KPC a aidé quelqu'un, je vous donne des exemples palpables. Il y a des familles en Guinée qui sont en contact direct avec KPC. Est-ce que KPC a envoyé, a fait des visas de résidence
à deux ou trois personnes. C'est-à-dire, je vais aider cette famille-là. Je vais envoyer ses enfants. Merci, Mamadou Dramé. Merci, Ntara Lansana Yatara. Je vais envoyer ses enfants aux Amériques, en Europe, pour suivre les études qu'APC n'a pas fait. Guico Press, KPC, est-ce qu'il a dit un jour qu'il a pris en charge telle famille, il ne le fera pas. Même si le sacrifice satanique que KPC exécute celui-là, il partage entre la bourgeoisie, la famille bourgeoise, c'est-à-dire si tu es riche, tu auras ta part de sacrifice. Si tu es pauvre là, tu n'auras jamais même un morceau de viande. Avec KPC. Tu vois, non? Quand tu es artiste maintenant, tu as la voix au chapitre, il cherche à utiliser ta voix là contre toi-même. Contre toi-même. C'est pourquoi on voit les Fishkila, les Singleton. Quand il y a problème entre quelqu'un et KPC, on commence à attaquer la personne. Même si KPC est allergique à l'injure, pourquoi Yali est sorti contre lui? Il n'a pas arrêté Yali. Yali est allé en Guinée, il n'a pas arrêté Yali. Donc c'est une foutaise. Foutaise Nanaïda. C'est une façon d'utiliser KPC, de nuire ici, de salir ici la réputation, l'image de KPC, sans se rendre compte. Oui, je vous dis la vérité, KPC a perdu sa crédibilité, KPC n'a plus de dignité, KPC, tu travailles pour un système, tu es en train d'assassiner les Guinéens pour un système, tu es en train de faire du mal aux Guinéens pour un système, mais le système là n'est pas éternel, le pouvoir de Mamadi Doumbouya c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Oui, il faut craindre beaucoup. Il faut prendre l'exemple sur le procès du 28 septembre. En 2009, Mamadi Doumbouya était l'homme, Moussa Dadis Camara était l'homme fort du pays. Aujourd'hui, où il se retrouve? Il est derrière les barreaux. En 2025, Mamadi Doumbouya va se retrouver derrière les barreaux. Il sera l'homme le plus humilié que la Guinée n'a jamais connu. C'est moi qui ai dit. Quand moi je sors là, c'est pour dire la vérité. Ça ne va même pas tarder là. En 2025, Mamadi Doumbouya sera l'homme le plus humilié de la Guinée. Avec ses acolytes, son entourage, quoi, son équipe gouvernementale. Et ces malfaiteurs, KPC, vous allez courir, vous allez vous quereller derrière le barreau là-bas, comme ceux qui arrivent au clan de Dadis comme ça là, juste à ce qu'ils commencent à gifler Kegoro, Moussa Kegoro. Donc je vous dis très bien, Mamadi Doumbouya va mal partir et les conséquences seront lourdes pour les gens qui sont en train de faire du mal aujourd'hui dans le pays comme KPC. KPC, tout le bien que tu as cherché comme ça là, c'est pas éternel. Tout sera redit en cendres. Prenons l'exemple sur Diallo Cravate. Diallo Cravate a eu beaucoup de richesses. Il était l'homme le plus riche en Afrique. La guerre au Congo, Diallo Cravate est tombé dans le piège. Il a donné toute sa fortune en crédit à l'État congolais. Après la guerre, l'État congolais a refusé de rembourser la richesse de Diallo Cravate. Comment il est mort? Il est mort comme un petit coq. Un petit poulet. Il est mort comme un petit poulet. Dans une petite clinique.
Prenons l'exemple sur lui. Oui, quand c'est toute richesse que tu as cherchée comme ça là, tu es en train de mentir aux Guinéens que, comment dirais-je, ton entreprise est une entreprise multinationale. C'est-à-dire une entreprise de plusieurs nationalités. Donc, certaines sont basées en Sierra Leone. Cherchez faux. Cherchez faux. Quand personne ne peut travailler dans aucun pays à part de la Guinée. Je vous dis la France vérité. La France vérité. Quand personne débute des sentiers qui ne finissent jamais. Qui ne finissent jamais. Quand PC a commencé Symphonia Kagbélé, ce sentier n'a jamais vu le jour. Oui, chaque jour, c'est le but mal. Chaque jour, c'est le renouvellement. On n'a jamais eu gain de cause. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya et KPC est en train de supporter ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire aux Guinéens. Oui, tout ce que Mamadi Doumbouya fait, KPC est en train de meubler ça aujourd'hui, de rendre ça joli. Mamadi Doumbouya, le seul pièce qui t'attend, le seul procès qui t'attend, c'est le procès du 5 septembre. Oui, du 5 septembre, c'est pas le 28 septembre. Le 5 septembre, on va débuter par ça. Les Bala Samoura, il faut construire toute la Guinée par villa. Il faut acheter à Marakamara, il faut acheter toute la Guinée par villa. Mais le jour du procès vous attend. Le jugement là, vous aurez quelque chose à rendre au peuple de Guinée. Tout ce que vous faites là, c'est pour la future génération. C'est pour le futur homme fort du pays. Non, il faut le faire. KPC, il château Nambo à Malaguiné. C'est pour les Guinéens. Mamadi Doumbouya, tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui en Guinée, c'est pour les Guinéens. Je ne veux pas que quelqu'un cherche à intimider ou bien à empêcher Mamadi Doumbouya de réaliser, de bâtir sur notre sol. Tout ce qu'il fait comme ça là, ça sera pour nous. Je serai logé dans certains bâtiments de Mamadi Doumbouya. Oui. Et on va me donner cadeau. Certaines villas de Amara Kamara. On dit la villa qui se trouve à Sanoya là-bas. Tiens, la clé, va prendre ça pour toi, le politologue. C'est ton logement, ça. À vie. Oui. Amara Kamara en train de construire pour les fils dignes de la nation. Un jour viendra, tout sera saisi. Ils seront privés de tout. Parce que ce qu'ils sont en train de faire comme ça, là, c'est du mal. C'est du mal à mal. Emprisonner Bill Gates. Retirer, confisquer tous ses biens. Y compris ses véhicules. Oui. Emprisonner Kassori Fofana. Décaisser tout son argent qui se trouve à la banque. Et faire la mamaya avec les jeunes filles. Toi, tu penses que la vie va finir comme ça là? La vie ne se résume pas à cela. Oui, chacun a son jour. Chacun a ses moments forts. Oui. Un petit homme d'aujourd'hui, un petit homme de deux, un grand homme de demain. Oui. Mamadi Doumbouya, un grand homme d'aujourd'hui sera un petit homme de demain. Merci, mon grand frère Silla, Mafoualia Silla. Toi, Rigouri, tu n'as pas belé belé. Tina Miri Belbele, toi Miri Khoury, Moussa Dadis, l'homme fort de 2009. L'homme faible de 2024. Mamadi Doumbouya, l'homme fort de 2021-2024,
l'homme faible, l'homme humilié de 2025. Écris ça. Écrivez, s'il vous plaît. Écrivez, s'il vous plaît. Jibril agit du courage. Rien n'est trop tard dans la vie. Aujourd'hui, on a supprimé toutes tes pages parce que tu étais en train de combattre les Guinéens. Mais, tu étais en train, je m'excuse beaucoup, tu es en train de combattre le système qui était contre les Guinéens. Mais on a compris ton combat autrement parce que on a préféré la force à la loi. On a préféré l'ordre à la loi. Mais un jour viendra, tout sera révélé. Et le peuple de Guinée se rendra compte qui a raison et qui a tort. Aujourd'hui, nous sommes victimes. On se dise ou pas, nous sommes victimes dans ce pays. Mais il reste le jugement. On se rendra justice. La justice sera faite. Mais Jibril Azi, tu sortiras victorieux. Tu seras un grand cadre dans ce pays. Un grand cadre dans ce pays. Ce n'est pas tout le monde qui part en prison. C'est des hommes forts qui vont en prison. Prenons l'exemple sur Mandela. Nelson Mandela a fait combien d'années en prison? Ernesto Che Guevara a fait combien d'années en prison? Lansana Conté a fait combien d'années en prison? A fait 10 fois la prison au temps de Sékou Touré. Il a fait 10 fois la prison. Nous sommes conscients de ça. Parce que Sékou Touré cherchait toujours son successeur. Un jour, Lansana Conté est allé prendre le drapeau. Il y avait un conseiller proche de Sékou Touré, un fils digne de Faure Kariya, qui était à côté de Sékou Touré ce jour-là. Il a vu ce signe-là. Il a dit, il est allé à côté de Lansana Conté. Il a dit, tu seras le successeur de Sékou Touré. Maintenant, Sékou Touré s'est rappelé de ce signe-là. Il a demandé, ce vieux-là, le vieux, a changé la version pour Sékou Touré. Sinon, ce jour-là, ça sera la fin de la vie de Lansana Conté. Mais Dieu est grand. Tout ce que Dieu fait est bon. Nul ne peut contre la volonté de Dieu. Jibril Azi, il faut t'en remettre à la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait là, ce n'est pas du hasard.